ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet.fr. Je m'appelle Anne Mignard et aujourd'hui je vous explique pourquoi la Russie pourrait échouer en Ukraine par manque de semi-conducteurs. 6 mois après le début du conflit, l'armée russe souffre, selon de nombreux spécialistes, d'un grave déficit technologique. L'Ukraine assure que le Kremlin a même établi des listes d'achats dont il a besoin pour alimenter son effort de guerre. Ce déficit est le résultat des sanctions imposées à la Russie par les alliés de Kiev. Des sanctions qui empêchent les principaux fournisseurs mondiaux de puces et autres semi-conducteurs de fournir Moscou. L'Ukraine assure par exemple que la Russie n'a quasiment plus de missiles hypersoniques, des armes dont la précision et l'exactitude sont dues justement à ces puces électroniques embarquées. Impossible donc pour Moscou de renouveler ses stocks. Dans le détail, en plus des puces et des semi-conducteurs, le manque d'approvisionnement touche aussi les transformateurs, les connecteurs, les boîtiers, les transistors ou encore les isolants. Des produits fabriqués par des entreprises installées aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Taïwan ou encore au Japon. On trouve dans cette liste des puces fabriquées par des entreprises américaines comme Intel, Microchip, Micron, Broadcom ou encore Texas Instruments. Pourtant, ces dernières années, la Russie a fait des stocks en raison de la détérioration de ses relations avec l'Occident. Elle a aussi tenté de créer sa propre industrie de haute technologie. Mais certains composants ne peuvent être remplacés par des alternatives maison. Et puis la durée du conflit, qui ne devait durer que quelques semaines selon le Kremlin, pourrait avoir raison de ses stocks. Face à cette difficile situation, les dirigeants russes tentent donc de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Tout d'abord en passant par des pays alliés comme la Chine. Pékin a déjà fourni à l'armée russe des équipements comme des véhicules tout-terrain, des composants de drones ou encore de moteurs. Et quoi de plus facile, explique un spécialiste américain de la question. La Chine et la Russie partagent une frontière de 4300 km. Il n'y a absolument aucun moyen donc de détecter si ces puces passent d'un pays à l'autre. Mais là aussi, les composants les plus high-tech manquent à l'appel, car les États-Unis et l'Europe ont mis en place des régimes de licence pour empêcher les entreprises d'exporter de la technologie militaire à des clients jugés dangereux pour leur sécurité. Moscou essaye donc aussi d'emprunter des chemins encore plus détournés, tout comme le font depuis des années les gouvernements de pays bannis de la scène internationale comme la Corée du Nord ou bien l'Iran. Et cela passe essentiellement par l'achat de pièces sur des places de marché en ligne, des places illégales. Enfin, la Russie recherche si désespérément des semi-conducteurs pour son programme d'armement militaire qu'elle en est venue à retirer les puces de lave-vaissele et de réfrigérateurs, déclarée en mai dernier la secrétaire d'État américaine au commerce Gina Raimondo. Et voilà, on a normalement fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.